Eh bien, salut les amis, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour cet épisode 11 de mon Let's Play sur Halo 5 Guardians. Et donc, rappelez-vous, la dernière fois, on avait atterri sur Sunayon, donc pour livrer une bataille infernale contre les Covenants. Donc, on était aidé avec les lames de Sanghelios. Donc, on est toujours avec l'équipe de l'UNSC, l'équipe Osiris. Donc mené par le Spartan Locke, et on avait vu vers la fin de l'épisode précédent que le gardien s'était activé, donc on suppose que le Master Chief John 117 est dessus, et donc on va aller s'en rendre compte tout de suite. Donc on doit atteindre le gardien avant qu'il s'échappe de Sunayon. Arbiteur Spartan. Voilà. Ah oh putain, j'ai cru que c'était... j'ai halluciné, je crois que c'est lui qui se faisait buter, l'arbitre. On a presque atteint le gardien. Ils peuvent plus nous arrêter. Dégagez un passage. Montez à bord du gardien avant qu'il parte. Ah, c'est ça. C'est quoi ça? Wow. Ah, une arme. Cool. Ah, c'était des munitions. Ouais, donc le gardien qui a été activé, je pense, par Cortana. Toi, t'es mort. Il est chaud, l'arbitre là. Le gardien n'est plus très loin. Boum. D'accord. L'assistance sur la chaise. Merci. Hop. On va peut-être récupérer ça. Tout ce qui compte, c'est que le gardien soit encore là. Il est pas trop tard. Hop. Ah putain. Deux morts en deux minutes, même pas. Ça c'est pas cool. Hop. Pouf. C'est chaud. Donc le gardien qui est là. Ah oui, c'est... Ah non, lui on l'a. Donc moi j'en étais sûr qu'il était pas mort lui. Puis je savais qu'il était pas mort lui. Ah putain. Mon armure ne répond plus. Vite. Ah putain, je suis mort.
Désolé si vous entendez les travaux, il y a des travaux à côté de chez moi encore. Hop. Ça. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? On l'a tué! On discutera de ça plus tard. Abattez-le aussi. J'ai bien fait mal là. Feu à volonté, Osiris. Comme c'est un gaz! Coupé. Crevé, oui. On l'a pas tué là encore. Hein. Il est pas mort. C'est là-bas que sera le gardien. Ok. Donc le gardien va sur Genesis, on va. On va sûrement y aller. Le gardien part sans nous. Il y a sûrement moyen de. Osiris, bougez-vous le cul. Je suis en route, vous avez intérêt à être prêt à partir. Vite. On est à bord. On s'accroche. Ouvrez les yeux, Doc. Vous êtes en train de louper le meilleur. Ça fait deux fois. Ça va, y a pas le feu. Doc, ne vous plantez pas. À votre signal, commandant. Maintenant. C'est bon. Aujourd'hui, la flamme provenante va s'éteindre pour toujours! Et nous voici de retour à Genesis. Et il me semble qu'on est sur le gardien, là. Le gardien bouge. Ah, c'est ça. On est sur le gardien. Let's go. Et on a vu Palmer, le lieutenant. Enfin, je sais plus si c'est commandant ou lieutenant Palmer. Je sais pas si elle est morte ou pas. Parce qu'elle est restée. Elle est restée à Sunayon. Oh, wow. Allez, on court. Là, ça se voit qu'on approche gentiment de la fin.
ce que j'ai, enfin, j'ai pas été spoilé. J'appelle pas ça du spoil, mais j'ai vu qu'il y avait 14 ou 15 missions par là. Waouh. D'accord, ok. J'ai pas vu le trou. Ouais, qu'il y avait 14 ou 15 missions, et là on est à la 12e mission. Et vu à l'allure que vont les missions, ça se trouve que le prochain épisode ou dans deux épisodes, on aura fini le let's play. Tellement ça va vite. Alors attention au trou. Ça, on peut aller là-dessus. Appuyer sur A pour sauter. D'accord, on peut sauter. Youhou! Ah, on avance plus vite comme ça. Wow. Ah putain! Encore le trou. Ah putain, deux fois je me suis fait avoir. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas évidents à voir ces trous là. Bon, la troisième fois c'est la bonne, normalement. Spartan Jameson Locke émettant sur tous les canaux de l'UNSC. J'adore. Sierra 117 répondait. Le gardien bouge. On reste pas là. Il faut descendre jusqu'à ce qu'on puisse sauter sans se blesser. Voilà des rampants. Vous arrêtez pas. Tirez en courant. Pas tirer en courant, c'est. Restez au milieu. Faites gaffe au trou. Ah, c'est ça. Faire gaffe au trou. C'est maintenant que tu le dis, mec. Wow. Hop. Let's go. On dirait qu'il cherche à nous faire tomber. Ouais, j'ai bien l'impression. Bon, on avance, on se préoccupe pas des ennemis là. On avance. Quoique là, peut-être on va se faire cela. Quand on bouge, on est moins vulnérable. Ouais. C'est quoi ce bruit? Wow. Oh la vache. Wow. Là je peux rien faire là, ça bouge tout seul. Ah, cette fois-ci on est vraiment sur Genesis. On est arrivé. Je vais essayer. Spartan Jameson Locke à Sierra 117, répondez s'il vous plaît. Major, c'est le docteur Halsey qui nous envoie. On vient vous aider. Comment vous êtes arrivé là? C'est une longue histoire. Cortana a réveillé des entités Forerunner. Encore vous? Comme sur Meridian et Sangelios. De véritables sensuels à parole. Cortana? On est au bon endroit. Retrouvons-le. Ah, Cortana qui a pas l'air qu'on la retrouve. Et on a pu parler avec John 1 à 7, donc le Master Chief. Et ah, on est parti. Faut essayer de les retrouver. Pas surtout le Spartan John 1 à 7. Exubérant. D'accord. Bonjour, c'est un moniteur. Bonjour. Je suis 031 Exubérant Witness, le moniteur de l'installation Genesis. Bienvenue. Vous aussi êtes venu empêcher Cortana de revendiquer le manteau? Le manteau. Ouais, le manteau. C'est une paix forcée pour la galaxie. Une terrible menace de mort qui écraserait toute célébration de vie. À moins que vous ne vous alliez aux autres humains pour l'arrêter, c'est ce qui vous attend. D'accord. J'accède à vos systèmes de communication. Ah, au fait, un certain nombre d'ennemis vous attendent dehors. Alors je vous ai apporté ça. Merci de nous prévenir. J'imagine que cela vous sera utile. Oh, merci. Merci exubérant. Ouais, c'est pas faux. Pour la... Pour une fois, t'es pas exubérant. C'est pas exubérant, ça. Suivez le moniteur. Ok. Les transportent souvent une grande quantité d'ordures de leur planète d'origine. Faudrait dire à ces types. Allez, montez. C'est parti. Il ne faut pas les décevoir. Faut pas perdre de vue ce gosse. Au revoir. Il tire sur les chenilles. Je quitte le véhicule. Ça
gardien. Un seul gardien suffit pour maintenir l'ordre dans tout un système solaire. Pourquoi cette démonstration de force? Maintenir l'ordre? Démonstration de force? Oui. Les Forerunners utilisent les gardiens pour maintenir l'ordre dans les systèmes inférieurs. Comme vous le voyez, les défenses de Genesis sont dirigées contre les envahisseurs. Et malheureusement, vous êtes aussi considérés comme des envahisseurs. C'est votre installation. Donnez l'ordre de nous laisser passer. Impossible. Le Veilleur et Cortana m'ont retiré la plupart de mes privilèges d'administrateur. Mais ne vous inquiétez pas, je contrôle encore plusieurs aspects de cette installation. Il tire sur le Scorpion. On est dans le même camp, fais gaffe. Ah, là, ça se voit que la proche de la fin, là, c'est, il y a du gros fight et tout là. Vous vous débrouillez remarquablement bien, je crois. Le nombre s'est réduit. C'était votre objectif. Il tire sur le Scorpion. Votre véhicule a encaissé beaucoup de dégâts lors de ces nombreux combats. Ah oui. Voilà. Toi, tu vas crever aussi. Je vais rentrer. Un instant, laissez-moi lui parler. On tire dessus. Tâchez un peu de lui ménager. C'est le seul véhicule de cette catégorie qui se trouve sur Genesis. Suivez-moi. Arrête pour fermer. Attention, apparition en approche. Attention. Ah putain. Sans ce véhicule, vous allez devoir compter sur votre blinde. Et marrant, exubérant. Et malheureusement, vous êtes aussi considérés comme des envahisseurs. C'est votre installation. Donnez l'ordre de nous laisser passer. Impossible. Le Veilleur et Cortana m'ont retiré la plupart de mes privilèges d'administrateur. Mais ne vous inquiétez pas. Je contrôle encore plusieurs aspects de cette installation. Il tire sur le Scorpion. Regroupez-vous, on vient de perdre Veil. Elle a cassé en deux cette apparition. Voilà. Ah putain, c'est pas vrai, ça. Pouh, ça se voit que... On approche de la fin, c'est super tôt, hein. Vous êtes aussi considérés comme des envahisseurs. C'est votre installation, donnez l'ordre de nous. On peut zoomer ou pas? Impossible. Le Veilleur et Cortana m'ont retiré la plupart de mes privilèges d'administrateur. Mais ne vous inquiétez pas, je contrôle encore plusieurs aspects de cette déjà toi, on va t'éliminer. Crève. Voilà. On se met à couvert, c'est qui finit de faire dessus. Et je pense que c'était votre objectif. Attention, chevalier. Trouve-moi d'autres cibles. Ce combat va attirer l'attention du Veilleur. Faites vite! Il tire sur le Scorpion! Ce Ghost va pas faire long feu! Voilà, quand on y va méthodiquement, ça va mieux. Toi, tu fais mal, toi. Boum. Le chevalier est mort. Cible touchée. Genesis est vraiment une planète magnifique. Mais d'habitude, elle est moins animée. On s'y ennuie, en fait. Mais elle est magnifique.
C'est bon là. Exubérante. Un instant, laissez-moi lui parler. Tout le monde va bien? Bon, on va faire en sorte que ça continue. Suivez-moi. La passerelle est presque prête. Dépêchons. C'est quoi la passerelle? Il s'agit d'un pont entre le domaine et Genesis. C'est dans ce bâtiment que Cortana réapparaîtra dans le monde physique. Là, la passerelle. D'autres commandes. Et c'est là que se trouve le Major. Cortana fait tourner les autres humains en sortant. Vous faites mal. De la passerelle depuis des heures. Elle niche quelque chose, c'est sûr. Je crois. J'en ai eu un. Une grenade. Attention. Putain, y'en a encore un. Oh putain, y'en a deux. Oh, je n'ai jamais été au cœur des combats. C'est effrayant et excitant. Attendez. Je voudrais sortir. Est-ce qu'on peut prendre ça? Aïe 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 aïe. Prendre ça pour changer un peu. En plus ça bouge plus vite donc ça va être plus facile. Putain, cassez-vous. Franchement, on n'a pas le temps de s'occuper de cela. On les élimine le plus vite possible. Regroupez-vous, on vient de perdre Veil. Ah putain, c'est chaud. Vous pouvez pas vous en rendre compte tellement c'est chaud là. Approche-moi, grenade. Grenade ennemie. J'ouvre le feu sur ce grenier. Je n'ai jamais été au cœur des combats. C'est effrayant. Il tire sur les chemins. Maintenant, je comprends pourquoi votre présence trouble le veilleur. Votre aptitude à la destruction est unique. Descends, descends, descends. Faudrait descendre, s'il vous plaît. Pas descendre, là. J'aimerais descendre. Pourquoi il veut pas descendre, là? Allez. Trouve-moi d'autres cibles. Voilà. Oh, tu me saoules, toi. Oh, mais sérieux, quoi. Je vais faire démonter par... Voilà. On va prendre ça. Crève. Voilà. Allez, go. Oh putain. L'humanité n'a pas beaucoup changé depuis son apparition dans la galaxie. C'est une espèce redoutable. Tu vas crever? Ok, d'accord. Oh là là. On va jamais s'en sortir là, sérieux. On va jamais s'en sortir. Go. Retour au pire. Au revoir. Ah. On a combien de temps? Putain. Wow. Sérieusement, quoi. Oh là là. Putain, c'est horrible.
On a combien de minutes là? 25 minutes. Bon, on va essayer. Peut-être si on passe par là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut accélérer comme ça. J'aurais pas dû faire ça. Oh sérieux. Cet épisode, il me rend fou. Surtout la mission qui me rend fou là. Allez, on va y arriver cette fois-ci. Poussez-vous. On a combien de temps? Ah bah c'est là qu'il faut aller. Il y a un autre passage. Ennemis derrière nous! Tenez la position! Ils sont sur le flanc! Et voilà! Ah, je contrôle tout complètement par un. Voilà! Allez, go! Merci, exubérant! Dépêchez-vous, humain! La passerelle est prête! Monitor! Oula, oula, oula! Ouh, ça a lagué violent là! Hein. J'ai une mauvaise nouvelle, humain! Le veilleur nous a repéré! Non, c'est vrai! Ça c'est fait. Comment il s'est fait éjecter? Oh putain. Ah, on prend d'ici, c'est cool. Allez, 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 allez. Voilà. Cette installation n'a plus besoin de vous, monitor. Putain, mais. Non! On se casse, on se casse. Oh là là. Une nouvelle ère pour la galaxie. Ce combat est éreintant. Je m'inquiète beaucoup pour vous et son issue est incertaine. Comment ça me saoulait. J'ai une mauvaise nouvelle, humain. Le veilleur nous a repéré. Il a une vieille connaissance. Il vient vous voir. Sans doute pour dire bonjour. Veilleur, pourquoi aider l'auxilia? Elle est hors protocole, illégitime. Cette installation n'a plus besoin de vous. Ça me saoule. Bon, ça sert à rien. Connaissance. Il vient vous voir, sans doute pour dire bonjour. Ah, bah moi je vais lui dire bonjour. Elle est hors protocole, illégitime. Cette installation n'a plus besoin de vous, monitor. La réclamation a commencé. Cortana va initier une nouvelle ère pour la galaxie. Salut. Ce combat est éreintant. Je m'inquiète beaucoup pour vous et son issue est incertaine. Humain, faites attention. Ma puissance dépasse celle des étoiles elles-mêmes. Vous n'échapperez pas à ma colère. Vous êtes à peupler, d'ailleurs. Les humains ont créé les IA. Pourquoi l'accepter, elles, et vouloir les détruire, eux? Les humains sont en voilà, fait négligeables. Tout comme vous. Monitor. Leur tourelle me tire dessus. Concentrez vos tirs sur son dos. Débarrassez-moi de ça. À nous deux maintenant. Disparez.
accepte ton destin. Je ne suis certes pas un serviteur guerrier, mais à votre place, je ne resterai pas immobile. Pathétique. Et j'ai plus de balles. Je vais te purifier. Il me faut des balles. Vous mourrez dans votre trou, bande de lâches. Ah, c'est ça. Salut. Moi, il me faut des balles. Il me faut des balles. Je peux rentrer ici? Non. Ah bon, on peut aller directement là-bas sans le tuer. Ah. Je vous ai peut-être mal jugé, humain. Sont les munitions. Votre attitude me semble être de la ténacité, mais je me rends compte qu'elle est tout simplement suicidaire. Ici. Vous hop. Avez mené un digne combat. Allez. Mais c'est terminé maintenant. Wop. J'ai besoin d'aide. Pas de problème, Sherlock. Je suis là. C'est bon, merci. Oh la vache. Il est où l'autre? Vas-y, on va se le faire, lui. Tu ne m'échapperas pas. Toi non plus. Oh la vache. C'est bon, t'es mort ou pas? C'est bon pour l'instant. 1-1-7, si vous me recevez, nous approchons de la passerelle. Maintenez votre position. Il est encore là-bas. Oh la vache. L'humanité n'a pas beaucoup changé depuis son apparition dans la galaxie. C'est une espèce redoutable. Vous l'avez blessé, c'est sûr. Continuez comme ça. Vous êtes de vraies machines de guerre, humain. Le veilleur est furieux. Très rassurant. Cette armure ne sert à rien. Parce que vous voulez faire contre sa boule noire, hein? Mon armure ne répond plus. Merci, Spartan. Merci. Un de moins. Feu à volonté sur le meilleur. Mon Dieu. C'est qui me tire dessus? Hop, au revoir. Il me tire dessus avec cette tourelle. Salut. On a perdu Doc, on se replie. Je suis dans ton dos. Le chevalier est très approché. Vas-y, step sur la chaise. Hein. Il s'avance. J'ai besoin d'aide. Tout va bien alors. Les humains. C'est bon, merci. Le chevalier nous arrive dessus. Vous mourrez dans votre guerrier, l'arme.
Oh, j'y arrive pas, ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai besoin d'aide. Chevalier, la partie, Locke. Merci, Spartan. Voilà, toi, c'est fait. C'est bon, Buck. Créature stupide. Je n'ai jamais vu des combattants aussi doués que vous. Le Veilleur sera bientôt vaincu. Enfin, ses corps seront vaincus, car le Veilleur... Bah, peu importe. Continuez. Lâchez-nous. Finissons-en. Faut aller où là? Ils disent qu'il faut aller là-bas. Je sais pas si c'est... Si c'est vraiment là-bas qu'il faut y aller. Non, non, c'est pas là qu'il faut aller. Qu'est-ce que tu veux toi? Putain. Mais j'ai plus de balles. On est dans la merde. Oh putain. Crève, bordel. Je ne sens pas tes attaques. Je vois ça. En chance, tiens-toi tranquille. Allez. Regroupez-vous, on vient de perdre Veil. C'est bon là? Ah ouais? Ce robot est capable de ressentir une émotion? Le Veilleur n'est pas un robot? Je pensais que vous l'aviez compris. Ouh, c'est bon. Où par là-bas, localiser le Bajor. Ah, j'ai pas vu, on est presque à 40 minutes. C'est où qu'il faut aller? Bon, attendez, on va reprendre des munitions. Comme ça, voilà. C'est par là. Peut-être avoir une petite cinématique. Bon, ça sera un épisode qui sera assez long. Là, les autres. Major. S'il vous plaît, attendez. Cortana, elle est dangereuse. Je sais. Vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. On est là pour vous aider. Vous arrivez bien trop tard. Cortana. Non. Oh non. Elle n'aurait pas dû l'amener aussi près d'elle. Ça va permettre aux Veilleurs de faire des ravages. Où est-ce qu'on est? Cortana. Qu'est-ce que c'est? Cortana, répondez. Ah. Oula. Tu leur accordes une audience? Pourquoi risquer le tout pour le tout? Au nom de quoi, Cortana? Veilleur, non. Ils veulent essayer de déjouer nos plans. Ils disperseront tes gardiens. Hors de ma vue, Veilleur! Désolé, ouais, donc on a la... On a la réponse sur Cortana, elle a vraiment pété les plombs là. Elle est très dangereuse. Pour mater les mondes récalcitrants. Je compte en faire autant. Vous quoi? S'il n'y a pas d'agitateur, il n'y a nul besoin de discipline. Le devoir m'appelle, John. Je vous attends, faites vite. Ouais.
Même John, il se met fidèle et tout. Il sait que c'est qu'elle est dangereuse. Donc bon, on verra ça la prochaine fois. Donc ça aurait été un épisode assez long, mais riche en action, riche en mort encore. C'était vraiment très très chaud durant cet épisode la mission là. Et j'ai vu qu'on avait fini la mission 13, donc on doit être à la 14. Donc je sais pas si le prochain épisode ça sera l'épisode final. On verra bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, il y aura beaucoup d'action, beaucoup de révélations. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 12, du coup, ou l'épisode final. Et donc, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter cet épisode s'il vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce que je fais vous plaît. Et donc, à très bientôt tout le monde. Ciao.